Je suis née il y a très longtemps, en 1936, à une époque importante dans ma famille, puisque mon père, Jean Zay, est nommé par Léon Blum, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Je suis née le 29 octobre 1936, donc vous voyez, ça fait un certain temps. Mais pour moi, ce temps s'est rapproché depuis le Panthéon. Ce temps s'est rapproché depuis le Panthéon parce qu'il a remis en marche, je dirais, dans la vie d'aujourd'hui, cette vie d'un citoyen qui voulait agir pour son pays, qui l'a fait, et ce qui a d'ailleurs causé son assassinat par des miliciens en 44. Mon père écrivait. Il aurait pu être écrivain. D'ailleurs, il a écrit un livre, Souvenirs et solitude, et beaucoup de lettres sur lesquelles, avec ma sœur Hélène, on s'est repenchée, parce qu'elle rapporte ces années difficiles de l'emprisonnement, pendant lesquelles nous étions petites filles, j'allais à l'école et elle était plus petite, mais on a repensé, le Panthéon a remis à l'ordre du jour ces événements, et je sais qu'aujourd'hui, les gens réfléchissent, connaissent cette vie et en tirent les conclusions que la situation contemporaine demande. Donc, c'est un homme moderne, contemporain, sur lequel chacun peut se repencher. Les gens qui ont vécu cette période-là, hélas, ont disparu ou sont sur le point de disparaître, mais c'est un livre de réflexion, c'est un livre aussi qui rappelle le temps d'avant-guerre, ce qui a été mis en train pour améliorer la vie des gens. C'est le livre d'un père très aimant. Et à la fin, il y a une petite biographie qui dira aux gens exactement ce qu'ils vont trouver là, dans ce très beau livre. Après 43, le livre s'arrête parce que la surveillance sur mon père est trop, l'empêche d'écrire. Donc il écrit jusqu'en 43. Et voilà ce qu'il écrit. Le 16 août. J'ai vécu depuis 3 ans en ne voyant qu'un petit nombre d'êtres, et chacun peu de temps. Je croyais être privé des 1000 spectacles de la variété humaine, des vices, des vertus, des beautés, des laideurs d'une inépuisable diversité qui, émaillant la fouille, en rendent la fréquemment si curieuse, quand je me suis aperçu que chaque homme est un microcosme, qu'il suffit d'en considérer un pour les retrouver tous, et qu'on pourrait même n'en voir aucun, car c'est en soi qu'on découvrirait peu à peu tous les aspects qui semblaient particuliers à d'autres. Voilà, c'est tout. Je trouve que pour quelqu'un qui est emprisonné, qui ne voit plus personne, il cherche le sens même de son incarcération, et il se dit, un homme en vaut un autre, et il écrit ces quelques lignes. Je trouve que le livre en est plein de ces remarques, mais celle-ci m'a semblé symbolique et intéressante pour ceux qui la liront.